Bonjour et bienvenue pour cette lecture de l'évangile de Marc au chapitre 12. Ce chapitre est un petit peu plus compliqué que tout ce qu'on a pu voir puisque Yeshua va vraiment parler à ses dixi, parler aux pharisiens et va essayer de leur expliquer des choses liées bien entendu à sa mort prochaine, à sa résurrection et comme toujours au royaume de Dieu. On commence la lecture au verset 1. Yeshua se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Voilà, il est intéressant quand on prend une parabole de bien imaginer la, la scène, euh, puisqu'évidemment il fallait que ça soit quelque chose de, euh, de, de visible, d'efficace, pour que les, les, les gens puissent comprendre. Versé de autant temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux Voici l'héritier, venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que ferait le maître de la vigne Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture La pierre qu'ont rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Alors évidemment, on peut se poser plein de questions. Qui est le, le vigneron Qu'est-ce que la vigne On l'a déjà vu quand même pas mal de fois dans les, dans les paraboles précédentes et, et ici ben bah, euh, en fait le l'homme qui est, qui a la vigne euh, envoie au, 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 envoie aux serviteurs euh, bah, des serviteurs à lui un premier un deuxième un troisième qui sont des, euh, des dix, qui sont des, des prophètes pour leur annoncer quelque chose et la fin il envoie son fils bien aimé vous avez tous compris que du coup l'homme qui plante la vigne et Tadonaï que la vigne, c'est le monde, que le pressoir, il bâtit une tour, il a fermé des vignerons, et quitta le pays. Euh, et, et tout ça euh, parle évidemment de, de la fin, euh, de, 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 de l'envoi du Fils bien-aimé qui, qui vient pour, euh, euh, malgré les différentes euh, euh, aventures, aventures qui sont euh, passées aux autres. Et, et là, à la fin, il y a la colère du maître qui fait périr les vignerons et qui donne la vigne à ceux qui ont reconnu l'Office. Verset 12, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Yeshua avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc on parle des, des pharisiens, bien sûr, qui avaient compris euh, qu'ils qu étaient les, les gardiens de la vigne, et qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire, que Dieu leur a envoyé des, des prophètes, et qu'ils les ont tués. Donc voilà, ce, 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 ce discours, cette parabole, peut-être n'était pas compréhensible pour tous les gens du peuple, mais ceux qui devaient l'entendre l'ont entendu. Verset 13. Ils envoyèrent auprès de Yeshua quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. L'idée est vraiment de, de coincer Yeshua, de le piéger. Ils n'y sont pas arrivés. Verset 14. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Devons-nous payer ou ne pas payer Yeshua connaissait leur hypocrisie. On s'arrête là encore deux minutes. Vous voyez, quand il commence au verset 14 en disant Maître, nous savons que tu es vrai, ils sont hypocrites dans la façon de parler. Ils ne le pensent pas. Donc Verset 15, Yeshua, connaissant leur hypocrisie, leur répondit Pourquoi me tentez-vous Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Yeshua leur demanda De qui sont cette effigie et cette inscription De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Euh, D'ailleurs, rendez à César ce qui est à César est devenu une euh, un proverbe commun dans, dans notre monde. Et ben voilà, Il est tiré de, de, de Marc, il est tiré des évangiles et il est tiré même des paroles de Yeshua. Donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Yeshua recentre encore une fois les, les choses importantes. On, on sait qu'on a parlé il y a quelques chapitres de ça, de, du jeune homme riche qui avait cette idolâtrie pour l'argent. Et Yeshua le redit clairement en fait. Euh, cet argent, rendez-le à qui de droit donc c'est pas mal d'en avoir, mais ne tombez pas dans l'idolâtrie de César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Votre temps, vos passions, vos, euh, votre couple, vos familles, euh, tout, tout doit être rendu à Dieu parce que c'est Dieu qui donne tout ça. Verset 18. Les Sadducéens. Alors c'est une, une secte juive un peu particulière puisqu'ils ne croient pas qu'il y a de la résurrection après la mort. Donc les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Yeshua et lui faire cette question. « Maître, voici ce que Moshe nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme Car les sept l'ont eue pour femme. Il est intéressant de voir que cet exemple est stupide et n'a dû jamais arriver. Et c'est vraiment l'esprit euh, malsain d'aller voir même un prédicateur, d'aller voir quelqu'un en sortant, par exemple, une loi de son contexte en la rendant totalement incompréhensible. Souvent, c'est ce que les gens font quand nous prenons une loi dans la Torah, dans la Bible. Nous regardons cette loi et, comme de toute façon les gens ne veulent pas obéir aux commandements de Dieu, les, on, on essaye de trouver des, euh, des cas particuliers. Il en est de même en France, par exemple, quand nous parlons de certaines lois françaises qui vont être votées à l'Assemblée nationale, euh, souvent c'est l'exception qui va faire la règle. Je ne veux pas donner plus de détails, vous les avez sûrement, mais pour une exception qui pourrait arriver sur un cas, sur un million, on va écrire une loi qui va toucher le million de personnes qui pourraient potentiellement être concernées et nous arrivons à quelque chose de liberticide à quelque chose de malsain la loi est simple la loi de dieu est pratique la loi de dieu est faite pour euh, nous aider à, à être en meilleure santé mais ces sadducéens font comme la plupart des gens sur cette terre quand ils ne veulent pas obéir aux lois ils trouvent des Prétexte, il trouve euh, des, des astuces pour essayer de contourner la loi et d'aller la chercher dans un retranchement qui n'arrivera probablement jamais. Mais Yeshua ne se laisse pas avoir. Verset 24. Yeshua leur répondit N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu car à la résurrection des morts, je vous rappelle qu'il parle à des saducéens qui pensent que la résurrection des morts n'existe pas. Il ne va pas dans leur sens. Il dit bien qu'il va y avoir la résurrection des morts. Dans quel état, dans quel, euh, dans quel. sous quelle nature, il va le dire un peu plus loin. Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Ils seront comme les anges dans les yeux, c'est-à-dire totalement des êtres spirituels. Verset 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson Je suis le Dieu d'Abraham, d'Itrak et de Yaakov. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc les Sadducéens viennent pour lui poser une question pour le tromper, mais Yeshua arrive à contourner cette question et à leur montrer qu'ils sont dans l'erreur et que du coup ils sont de mauvais enseignants, puisque même enseignaient à leurs disciples que la résurrection n'existait pas. Verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Yeshua avait bien répondu au sadducéen s'approchait et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et là, vous voyez que ce scribe a déjà un petit peu plus de, 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 de jugeote. Yeshua répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On va regarder, ce sont les versets 29 et 30. Si nous allons donc en dessous, dans les concordances, vous allez voir qu'on parle d'un passage bien précis qui se trouve dans Deutéronome 6,4. C'est le credo euh, de, dans, dans les synagogues qui est le schéma Israël. Schéma Israël, Yéhovah Elohenu, Yehovah Ehad. Donc l'éternel est notre Dieu, l'éternel est Ehad, pas un, il est unité. Donc ce passage est, est très important. Et ensuite, le, ceux qui suivent, vous pourrez aller lire Deutéronome 6.4 et la suite, puisqu'on va parler de mettre nos commandements et les commandements euh, dans les frontaux de, de nos portes, entre nos yeux, parce que c'est quelque chose, les commandements de Dieu qui doivent travailler nos pensées, qui doivent travailler nos actions. Donc c'est pour ça qu'ils sont comme un signe sur nos fronts et un signe sur nos mains. Étrangement, le diable va utiliser aussi le signe sur le front et le signe sur les, les mains pour reconnaître ceux qui le servent. Ceux qui le servent n'auront pas une marque physique. Peut-être que ça arrivera. On parle de puces, on parle de tout un tas de choses. Et je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, puisque nous serons encore sûrement étonnés par les trouvailles des, des, des gens de ce monde pour arriver à, à identifier euh, les, les, les gens sur la Terre. Mais là, tout simplement, on parle que si... Le signe de, le, de la bête, il est sur le front et sur les mains. C'est parce qu'il va prendre toutes nos pensées. Il va prendre toutes nos actions. Et le signe de Dieu dans Deutéronome 6.4 est le même. Il est entre les frontaux, entre nos yeux et sur nos mains. Ce sont nos actions, ce sont nos pensées qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu à faire ce qui est bon pour Dieu. L'ennemi fait exactement la même chose. Il singe en permanence ce que Dieu fait. Et donc, si nous ne voulons pas avoir l'esprit de ce monde sur nos fronts et sur nos mains, alors ayons l'esprit de Dieu en nous sur le front et sur nos mains qui change nos pensées, qui change nos actions. Nous ne devons plus être les mêmes qu'avant notre conversion. Nos pensées doivent être différentes et tournées vers Que pense Yeshua Que ferait Yeshua à ma place De la même manière pour nos mains Que ferait Yeshua à ma place voilà, vous pouvez aller voir aussi toutes ces concordances, elles sont intéressantes et euh, reprennent, et bien entendu, le, le verset 29 et 30 de, euh, de Marc. Nous allons les relire parce que c'est important. Quel est le premier de tous les commandements Écoute Israël et nous sommes Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. J'appuie sur nous sommes Israël. À partir du moment où nous croyons que Yeshua est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés sur la croix, qu'il est Dieu lui-même, et que euh, nous mettons en pratique sa parole, ses commandements, alors nous sommes Israël. Euh, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On retrouve là aussi toute la pensée, ce fameux euh, signe sur mon, mon front, de toute ma force, ce fameux signe sur mes mains. Yeshua va rajouter quand même quelque chose pour ce, euh, pour ce scribe. Voici le second maintenant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Un autre passage dira, ce sont de ces deux commandements que découlent toute la loi et les prophètes. Vous, vous appeler le mot Tanar qui veut dire Torah et en Neviim, enseignement et prophète. Yeshua va dire, voilà, ce sont les deux tables de la loi. Les premières tables concernent principalement l'obéissance à Dieu et le fait de ne pas être idolâtre, de respecter son nom et, son, et, et le Saint-Jour du Shabbat. Et la deuxième table qui est euh, liée à, à la relation que j'ai avec mon prochain. En premier avec Honore ton père et ta mère. Ce sont les prochains que nous devons respecter, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, même s'ils sont peut-être durs. Nous devons les respecter parce qu'ils nous ont donné la vie. Et ensuite viendront. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu n'auras pas de faux témoignage, tu ne feras pas d'adultère. Et tous ceux que vous connaissez, vous pouvez les relire dans Exode 20 et Deutéronome 5. Verset 32. Le scribe lui dit bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ce scribe avait tout compris. Il avait tout compris. Il a reconnu ici que la parole de Yeshua était vérité, émette, comme nous disons en hébreu. Et, et surtout, c'est qu'il retrouvait ces paroles, non pas lancées comme ça par une personne quelconque. Mais ces paroles-là sont écrites dans la Torah d'Israël. Et ce scribe se, le, la connaissait et savait que Yeshua n'inventait pas une nouvelle religion, n'inventait pas une nouvelle pensée, mais qu'il allait vraiment chercher dans la Torah parce qu'il était la Torah lui-même. Verset 34. Yeshua voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Verset 35. Yeshua, continuant à enseigner dans le temple, dit Comment les scribes disent-ils que le Christ, que le Machiar, est fils de David David, lui-même animé par l'Esprit Saint, a dit Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur Comment donc est-il son fils Ici, Yeshua va parler alors on va aller voir, versets 36 et 37. Donc toujours dans la concordance, on va aller voir qu'on parle d'un psaume ici. Et le psaume, où est-il Versets 36 et 37. Euh, le psaume. Le psaume 100, 110. Alors on va, aller, on va aller le lire tout de suite, on va cliquer dessus. On va faire voir tout le chapitre, ça va ouvrir une nouvelle concordance. Et on voit ici, psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc il ne parle pas de son fils, il parle à son seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'horreur. De l'aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Sedec. Ici, David dit que le machiar doit être de sa lignée, donc de la, du, de la tribu de David. Et il va même dire quelque chose de plus fort. Et là, on y viendra beaucoup plus tard, quand nous allons écouter, étudier, par exemple, euh, la, la fête de, 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 de Yom Kippourim, où Yeshua est maintenant roi et grand sacrificateur à la manière de Melchizedek. Melchizedek est un personnage, vous irez voir, dans la Genèse qui s'est présenté à Abraham. Son nom veut dire mon roi de justice. Et ce Melchizedek, c'est un personnage particulier, hébreu va nous dire qu'il n'a qu pas de, de, de parents, il n'a pas de descendance, il n'a a pas d'ascendance. Euh, il est comme un fils de l'homme. Et ce Melchizedek, il est roi de Salem, donc de la ville de, de Salem, qui veut dire le, le, la paix, et aussi grand sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il pouvait être roi et grand sacrificateur. Or, dans l'ordre lévitique, euh, les lévites ne pouvaient pas être rois et les rois ne pouvaient pas être lévites. Donc ici, on parle bien du Fils de Dieu. On parle bien du Messie. On parle bien de celui qui va être roi, mais qui va être aussi sacrificateur, grand sacrificateur pour toujours. Nous aurons l'occasion de lire hébreu sûrement euh, assez rapidement. Donc Yeshua appuie sur ce passage-là en disant ⁇ Voyez, David n'a pas pu parler de son Fils, comme le disent les scribes et les, et les pharisiens et les autres. Mais il dit ⁇ Il parle bien de l'Esprit. ⁇ Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Verset 38. Il leur disait dans son enseignement ⁇ Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils se seront jugés plus sévèrement. Encore une fois, Yeshua nous met en garde contre la religiosité, contre le fait d'être important dans notre religion, dans notre communauté. Ici, il rappelle encore une fois que l'humilité est la chose la plus importante que nous devons avoir. Yeshua, s'étant assis vis-à-vis -vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous, c'est-à-dire quelques centimes, rien du tout. Alors Yeshua ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et voilà comment nous devons vivre chaque jour. Non pas mettre de notre superflu et montrer à tout le monde comment nous nous servons Dieu euh, en y mettant énormément de choses parce que peut-être nous avons les, les capacités pour. Mais Yeshua regarde au cœur de cette petite veuve qui s'est dit, je vais y mettre de mon nécessaire parce qu'elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme. De toute sa force et de toute, son, de tout, de toute sa, sa puissance. Que ces paroles soient vraiment euh, la vérité, comme dit Yeshua ici. En vérité, je vous le dis, Béhémet. Que cette parole soit la vérité dans nos vies. Relisons-la, prenons vraiment les paroles de Yeshua comme euh, devons les mettre euh, en, en première place dans nos vies. Peut-être pour cette journée, méditons cela et demandons-nous comment. Nous vivons notre foi aujourd'hui, à demain pour Marc 13.